Moi, je travaille chez Kiwit depuis maintenant 2007, donc ça fait à peu près 11 ans. Et depuis 2014 maintenant, je suis sur le projet de l'échangeur turbo. Je gère une équipe d'ingénieurs de chantier. Mon rôle principal, en fait, c'est de faire passer le message, d'essayer de leur communiquer, en fait, les objectifs de la compagnie pour respecter toutes nos prévisions de coûts sur le projet de l'échangeur Turco. J'ai vu évoluer le chantier depuis le début parce que j'ai participé à l'estimer, en fait, du projet de Turco, donc avant même que la construction commence. C'est une fierté de voir toutes les structures puis tout le chantier avancer puis tout le changement qu'il y a toutes les années. C'est aussi un sentiment d'accomplissement parce que c'est tous les efforts qu'on a mis pendant la période de conception qu'on voit maintenant se réaliser devant nous. Une des fiertés que j'ai de travailler sur l'échangeur Turco, c'est d'abord de construire un échangeur en plein milieu de la ville de Montréal, qui est comme la ville où j'habite. Puis aussi, c'est de pouvoir partager ça aussi avec mes amis, ma famille, mais surtout avec mon fils. Mon fils a 3 ans et il est fier à chaque fois qu'on passe pour aller au centre-ville, que je lui montre les structures qu'on construit, que je lui montre les travaux qu'on accomplit. Je vois toujours la fierté aussi sur son visage, puis c'est ça qui me permet aussi de venir travailler avec cet engouement puis cette fierté puis sur l'échangeur. C'est ce qui me motive en fait à venir travailler à tous les jours sur le chantier de l'échangeur Turco.